C'est facile de mettre des gens dans des boîtes. D'un côté, il y a les femmes. De l'autre, il y a les hommes. D'un côté, il y a le sexe faible. De l'autre, le sexe fort. Il y a celles qui gagnent moins qu'eux. Et il y a ceux qui obtiennent toujours le meilleur. Il y a celles qui se font siffler dans la rue. Et ceux qui occupent la rue. Bienvenue, je vais vous poser quelques questions. Certaines pourront sembler un peu personnelles, mais je compte sur vous pour être le plus honnête possible. Qui était le clown de sa classe ? Qui joue à des jeux vidéo ? Et puis, tout à coup, il y a nous. Nous, qui avons déjà fait le premier pas. Nous, qui aimons le rose. Et nous tous, qui regardons le foot à la télévision. Nous qui avons été victimes de harcèlement sexuel. Et nous qui avons peut-être été parfois trop insistants en entreprenant. Et puis il y a nous qui ne pouvons pas nous empêcher de bavarder et de comporter des commérages. Nous qui passons plus d'une heure dans la salle de bain le matin. Nous qui portons du maquillage tous les jours. Nous qui nous sommes déjà battus. Nous qui nous sentons mal dans notre peau. Nous qui pensons que notre sexe biologique ne correspond pas à notre identité. Et nous, qui reconnaissons le courage des autres. Nous, qui avons déjà une relation sexuelle avec une femme. Nous, qui avons déjà une relation sexuelle avec un homme. Nous, qui faisons le ménage à la maison. Nous, qui avons déjà joué à la Barbie. Nous, qui avons déjà pleuré devant un film. Et puis finalement, il y a tout simplement nous. Alors peut-être qu'il y a plus de choses qui nous rapprochent que nous pensons. Ensemble, pour lutter contre les inégalités.